Konogako Deno Seikatsu Tsulai Koto Taksan Arimashita Watashi wa Ikomi Jian de Tomodachi wo Tsukuru no ga Etade Sannen sen ni Natte Kara wa Jugyo ni mo Delalezu Yunen shite shimatte Nido me no sannen sen wo Mukaeta aru Watashi wa Atarashi kurasu no naka de Itori kiri deshita Jikan no nagare no naka de Kawaranai mono wa nakute Sore wo shitara mo ugokemasen deshita. Dakara kono saka no shita de tashitsukushite imashita. Soshite sono senaka wo oshite kureta no ga tomoyakun deshita. Sore kara watashi wa ironna itotachi to deai mashita. Koko ni iru minasan ni sasaerarete engikibu wo tsukute. Kekuen sai de wa butai ni tatsukoto mo dekimashita. Demo, sono ato mata, taisho wo kuzushite shimatte. Mo ichinen sanense wo yarukoto ni nanimashita. Sore demo, watashi wa gambatte miyo to omoimashita. Watashi wa tsuyoku naritakattan desu. Karada wa yowai desu kedo, sore demo tsuyoku ikitakattan desu. Sonna yuki wo kudasatta no ga koko ni iru minasan desu. Tomoya san ya Miyazawa san ya Nishina san tachi, tomobetsu no kurasu ni natte shimatte. Kono ichinen wa mata itori de iru koto ga ooku natte shimaimashita. Sore demo yappari watashi wa. Kono gakko seikatsu wo kakegae no nai mono datto omoimasu. Sotsugyo suru no ni 5 nen mo kakatte shimaimashita ga daisuki na gakko desu. Gambareta watashi ga sukoshita basho dakara desu. Domo arigato gozaimashita. Sotsugyo omedeto. Nagisa no nagai gakko seikatsu ga ima owatta. Alors, après ce magnifique doublage de ma part, chose promise, chose due, je vais essayer de traduire la scène qu'on vient de voir. Par contre, étant donné que je ne suis absolument pas prof de japonais et que je ne suis pas du tout fort, je suis pas fort en japonais, mais on va essayer de traduire. Et au fur et à mesure de mes vidéos, je vais m'améliorer probablement. Et au bout d'un an, ça sera du passé, je serai peut-être bilingue. Bon, pour l'instant, pas du tout. Donc on va essayer de traduire alors. Kono gakko deno seikatsu tsurai koto taksan arimashita. Kono gakko deno seikatsu tsurai koto taksan arimashita. Donc kono gakko, ça veut dire cette école. Deno seikatsu, c'est la vie. Seikatsu, c'est la vie. Tsurai, c'est difficile. Tsurai koto, c'est des choses difficiles. Taksan, beaucoup, arimashita. Donc j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. J'ai expérimenté beaucoup de choses difficiles à cette école. Watashi wa ikomijian de tomodachi wo tsukuru no ga etade. Watashi wa, c'est moi. Ikomijian, ça veut dire être timide. Tomodachi, c'est les amis. Tsukuru, ça veut dire se faire. Etade, ça veut dire être mauvais. Donc si on reconstitue un peu la phrase, ça donne je suis plutôt timide et j'ai du mal à me faire des amis. San nensei ni natte kara wa jugyo ni mo de larezu ryunen shite shimatte. San nensei ni natte kara wa, ça veut dire après être devenu une élève de terminale. San nensei, ça veut dire troisième année en terminale donc. Kara wa, donc après. Ni natte kara wa, c'est après être devenu. Voilà, jugyo. Jugyo, ça veut dire les cours. Jugyo ni mo de larezu. C'est-à-dire que j'ai. Jugyo nimo de lalezu, ça veut dire que je n'ai pas pu aller au cours. Ryunen, ça veut dire redoubler. Ryunen shite shimatte, ça veut dire j'ai dû redoubler. Donc pour refaire la phrase, après être devenu une élève de terminale, je n'ai pas pu aller à mes cours, donc j'ai redoublé. Nidome no sanense wo mukaeta aru, watashi wa atarashi kurasu no nakade itori kiri deshita. Nidome no sanense. Nidome no sanense, ça veut dire. Nidome, ça veut dire de faire deux fois. Donc après avoir redoublé ma classe de terminale. Wo mukaeta alu. Donc je sais pas c'est à quoi, mukae, je sais pas c'est à quoi, mais alu, ça veut dire le printemps.
Donc quand j'ai redoublé ma classe de terminale durant le printemps, quelque chose comme ça, Watashi wa, donc moi, Watashi wa atarashi kurasu no nakade itoriki eri deshita. Donc moi, Watashi wa atarashi nouvelle kurasu classe no nakade, à l'intérieur de cette nouvelle classe, j'ai été itoriki eri, ça veut dire j'étais tout seul, deshita. Donc à l'intérieur de cette nouvelle classe, j'ai été toute seule. J'ai pas pu me faire des amis, en gros. Jikan no nagare no nakade kawaranai mono wa nakute sore wo shitara mo ugokemasen deshita. En fait, jikan no nagare no nakade kawaranai mono wa nakute, j'arrive à voir dans ma tête ça veut dire quoi la phrase. Par contre, la traduire c'est difficile. Donc je vais pas vous la traduire parce que c'est trop dur pour moi, mais il y a la traduction anglaise. Donc ça donne when I learn that there's nothing that doesn't change with the flow of time. Sore wo shitara mo Ugoke masen deshita. Une fois que j'ai compris, je n'ai pas plus bougé. Parce qu'en fait, sole wa shitara, c'est une fois que j'ai compris. Mo ugoke masen, ça veut dire que je n'ai pas pu bouger deshita. Je n'ai pas pu bouger. Donc une fois que j'ai compris que le flot du temps ne changeait pas, je n'ai pas pu bouger. Dakara kono sakano shita de tachi tsukushite imashita. Sakano shita, ça veut dire être en bas d'une colline. D'une pente, donc j'étais en bas d'une pente. Tatsutsukushi, ça veut dire immobile, je pouvais pas bouger. Donc en bas d'une pente, je suis resté immobile. Alors, soshite sono senaka wo oshite kureta no ga tomoyaken deshita. Soshite, ça veut dire ensuite, et sono senaka, c'est le dos, celui qui m'a poussé vers l'avant, on va dire. Oshite kureta, ça veut dire apprendre. Donc celui qui m'a poussé vers l'avant en me faisant une petite pousse sur le dos, c'était Tomoyaken. Solekala watashi wa ilonna itotachi do. Solekala watashi wa ilonna itotachi to dehai mashita. Solekala, ça veut dire sinzen, alors. Watashi wa, moi. Ilonna, ça veut dire beaucoup. Itotachi, ça veut dire de personne. To dehai, ça veut dire rencontrer, mashita. Ça veut dire, si on traduit la phrase, depuis lors, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Kokoni illuminasan ni sasa et la lette engi kibu wo tsukute. Kokoni ilu. Donc kokoni ilu, ça veut dire avec les personnes ici. Minasan ni sasa et la lette. Minasan, ça veut dire kokoni illuminasan, c'est avec les personnes ici. Sasa et la lette, ça veut dire ça veut dire supporter une personne. Là, elle était, je ne sais pas. Donc, avec les personnes qui m'ont aidé ici, j'ai créé le Engekibu ou Tsukute. Engekibu, ça veut dire le club de théâtre. Et Tsukute, ça veut dire créer. Donc, avec les personnes qui m'ont aidé, qui sont ici présents, qui m'ont aidé, j'ai créé le club de théâtre. Gakuensai dewa butai ni tatsukotomo dekimashita. Gakuensai, ça veut dire le school festival. Butai, ça veut dire la scène, une scène de représentation. Tatsu, ça veut dire être debout. Kotomo dekimashita. Donc grâce, donc Gakuensai dewa. Donc pendant le school festival, j'ai pu me faire une représentation sur une scène devant tout le monde. Demo sono atomata taicho wo kuzushite shimatte. Demo sono atomata, ça veut dire demo, ça veut dire mais. Sono ato, après, mata, donc tout de suite après. Taicho wo kuzushite. Taicho, ça veut dire la condition physique. Donc ma condition physique, kuzushite, ça veut dire empirer, shimatte. Donc, mais après ce qui s'est passé, ma condition physique a empiré. Mo ichinen sanensei wo yaru koto ni nanimashita. Mo ichinen, c'est-à-dire encore une fois, j'ai refait Moichinen, c'est-à-dire encore une fois, encore une année. Sanensei, c'est-à-dire j'ai encore redoublé une fois ma classe de terminale. Sole demo watashi wa gambatte miyoto omoimashita. Sole demo, c'est-à-dire cependant, watashi wa, moi, gambatte, ça veut dire faire de son mieux, miyoto omoimashita. Donc j'ai cependant essayé de donner mon maximum. Watashi wa tsuyoku narita takattan desu. Watashi wa tsuyoku narita. Watashi wa, ça veut dire moi. Tsuyoku narita kattan, ça veut dire vouloir devenir plus fort.
Ah. Bon, j'éternue, ça fait partie de la vie. Kaladawa yowai deskedo sole demo tsuyoku ikitakatandes. Kaladawa yowai deskedo. Kalada, c'est le corps. Yowai, ça veut dire faible. Deskedo. Alors, ça veut dire deskedo, c'est-à-dire cependant. Donc, Kaladawa yowai deskedo, ça veut dire j'ai mon corps qui est faible. I have a weak body. Sole demo. Malgré tout, tsuyoku ikitakatandes. Tsuyoku ikitakatandes, ça veut dire j'ai envie de vivre fortement. J'ai envie de vivre de manière forte. Parce que Iki, ça veut dire vivre, et Tsuyoku, ça veut dire fort. Sonna yuki wo kudasatta no ga, koni iru minasan des. Sonna yuki wo kudasatta no ga. Donc sonna yuki, ça veut dire ce courage. Yuki, ça veut dire le courage. Sonna, ça veut dire, c'est un démonstratif. Kudasatta. Kudasatta, ça veut dire probablement ceux qui m'ont donné la force. Ceux qui m'ont donné la force, l'énergie, on va dire. On va faire koni iru minasan des. Kokoni Ilu, donc Kokoni Ilu, ça veut dire les personnes ici. Minasan, donc les gens, donc c'est les personnes vraiment ici qu'on voit visuellement. C'est eux qui m'ont donné la force. Tomoyasanya, Miyazawasanya, Nishinasan Tachi Tomo Betsuno Kurasuni. En fait, là, c'est une énumération de prénoms. Tomoyasanya, Miyazawasanya, Nishinasan Tachi. En fait, c'est une énumération. Et Tomo Betsu, ça veut dire une autre classe. Non, autre. Donc Tomobetsu no Kurasuni, ça veut dire une autre classe. Donc Tomoya Miyazawa et Nishinasan ont été dans une autre classe que la mienne. Kono Ichinen wa mata itolide iru koto ga oku natte shimaimashita. Bah, comme je l'ai dit avant, vu que ses amis, on va dire, étaient dans des classes différentes. Kono Ichinen wa, donc c'est cette nouvelle année. Elle était encore toute seule, Mata Itoli, ça veut dire encore toute seule. Deilukotoga, c'est-à-dire encore toute seule dans la encore toute seule. Okunate Shimaimashita, donc elle était encore toute seule dans la classe. Bon, après, je ne traduis pas mot pour mot, mais ça donne ça globalement. Sole demo. Sole demo, ça veut dire malgré tout. Sole demo yapari watashiwa, malgré tout. Je veux. Yapari watashiwa, ça ne veut pas dire je veux. Hein. Sole demo yapari watashiwa, malgré tout. Je. Ah voilà, ça donne malgré tout je. J-E. Kono gakko seikatsuo kagega e no nai mono dato omoimasu. Donc kono gakko, c'est-à-dire cette école, seikatsu, c'est la vie. Kagega e, c'est-à-dire penser. Mono dato omoimasu. Donc, non, kagega e, ça veut dire valuable, ça veut dire les choses importantes, c'est-à-dire que c'était important. Donc les jours où j'ai passé à cette école ont été pour moi des choses importantes. Parce que omoimasu, c'est-à-dire j'ai pensé. Donc j'ai pensé que ces expériences à l'école sont des choses irremplaçables pour moi. Sotsugyo suru no ni gonen mo kakatte shimaimashita. Sotsugyo suru no ni gonen mo kakatte shimaimashita ga. Sotsugyo, ça veut dire la remise des diplômes, c'est quand vous êtes en terminale et que vous avez fini l'année, on vous remet les diplômes, on va dire. C'est quand vous êtes un graduate. Donc, Sotsugyo suru no ni gonen. Gonen, ça veut dire 5 ans. Mo kakatte shimaimashita ga. Kakatte, ça veut dire, je sais plus, ça veut dire prendre. Donc, il m'a fallu 5 ans pour réussir le lycée. Daisuki nagakko desu. Bah, ça veut dire que j'aime l'école. Malgré tout, j'aime l'école. Gambale ta watashiga sukoshi tabasho dakara desu. Gambale, comme je l'ai dit, ça veut dire faire de son mieux. Ta watashiga, donc moi. C'est-à-dire moi. Tsukoshi tabasho dakara desu. Basho dakara, ça veut dire l'endroit. Donc c'est l'endroit où j'ai vraiment fait de mon mieux. Donc c'est l'endroit où j'ai vraiment travaillé pour réussir, quoi. Domo arigato gozaimashita, c'est-à-dire merci beaucoup. Poliment, parce que domo, c'est une forme polie. Sotsugyo omedeto. Bah, bravo pour avoir réussi le lycée. Mais bravo pour ta remise des diplômes. Nagisa no Nagai. Nagai kakko seikatsuga. Donc Nagisa, c'est le nom de l'héroïne. Nagai, ça veut dire long. Gakko seikatsuga. Gakko, c'est l'école. Seikatsu, c'est la vie. Donc la longue vie de Nagisa à l'école. Ima owatta. Se finit maintenant.
Donc les longs jours de l'école de Nagisa se finissent maintenant. Voilà, ah, oh, c'était dur, hein, c'était dur. C'était dur de traduire 2 minutes de phrase. Je sais pas comment je vais monter la vidéo, si je vais faire du montage. Mais globalement, franchement, je pense qu'en taffant mes vidéos, il y a moyen que je traduise des phrases et que je fasse un truc correct. Parce que là, c'est quand même de l'impro. Bon, il y a un petit peu d'aide, on va dire, j'utilise un peu internet. Mais globalement, c'est de l'impro, donc c'est quand même difficile. Bon, de toute façon, je vais quand même uploader, parce que c'est toujours mieux que rien. De toute façon, je travaille mon japonais, bah autant le mettre sur YouTube. Et même s'il est pas ouf, j'ai fait des erreurs probablement. De toute façon, j'ai pas un gros niveau, mais je fais de mon mieux pour expliquer les choses. Et après, à force de faire, comme je le dis souvent, bah on s'améliore. Et un jour, quand je reverrai peut-être mes vidéos, bah peut-être que je me dirais que c'était facile en fait ça. Et sur ce, bah j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse de l'épisode 13 de Clannad After Story, plus mon doublage. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis salut.